cette plancha m'a également été fournie avec la planche à découper, planche en bois tout simplement qu'on va mettre devant, sur laquelle on va pouvoir découper les aliments et on va aussi pouvoir les transporter à table directement. Vous avez également donc la spatule à plancha, vous avez aussi le support réchaud, donc ça c'est assez pratique, en plus il est extensible, tout simplement c'est une pièce que vous allez mettre ici, hop, et vous allez pouvoir mettre dessus des aliments qu'on va pouvoir garder au chaud. Voilà, très pratique. Vous avez également, hop, la housse de protection qui permettra de la protéger en totalité contre vraiment les intempéries, hein, la poussière, la saleté, donc ça c'est super pratique, vraiment top. Et vous avez également le kit de nettoyage. Alors ça, j'en dis pas trop là-dessus encore parce que je sais que vous êtes vraiment très nombreux à me demander comment on nettoie une plancha, hein, est-ce qu'on utilise des produits, voilà. Donc une plancha, c'est très facile à nettoyer, ça dure maximum une minute, mais je vous ferai un tuto vraiment complet là-dessus, vous allez voir, c'est vraiment pratique. Qu'est-ce que j'ai encore? Voilà, vous avez la cloche. Cette cloche ici, vraiment, qui avait été très demandée, ça c'est une cloche qui va permettre de faire des cuissons à l'étouffée. Donc hop, elle se pose directement sur la plaque. Très pratique, pareil, on reviendra dessus dans des recettes prochainement. Qu'est-ce que j'ai encore? Voilà, ben, on parlait de recettes, c'est très simple. Voilà, on va pouvoir s'éclater avec le tout dernier livre qui vient de sortir, Incroyable Plancha, édité aux éditions Larousse. Donc c'est un livre vraiment très très bien fait, comme vous pouvez le voir, là, je vais vous montrer. On a vraiment plein de recettes dedans. Des recettes qui sont rapides, faciles. Voilà, vraiment très pratique. De l'entrée jusqu'au dessert. Voilà, plus de 40 recettes conviviales. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, j'étais ravi de vous présenter cette plancha. Un grand merci à la maison Le Marquier qui maintenant me soutient donc sur ce blog. Mais je tenais aussi à vous remercier, vous qui me soutenez et qui me regardez donc depuis déjà de nombreuses années. Donc un grand merci à vous. Voilà, donc en attendant les prochaines vidéos, hein, prochaines vidéos de recettes, de tutos, je vous dis à très bientôt.